Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être comme un vlog. Aujourd'hui, vous allez passer toute la journée avec moi parce qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Je passe genre mon oral d'anglais, je suis grave stressée, mais c'est pas grave, je vais tout vous filmer. Que je redoute le plus, genre à chaque fois que j'arrive dehors, je commence à pleurer. Mes yeux ils font que couler, c'est insupportable. Là vous me voyez capuché, logique, il pleut de ouf. Mais bon là, je pense pas que vous pouvez le voir. On dirait genre sur mon téléphone qui fait beau et tout. Alors qu'en vrai pas du tout, regardez le sol. Aujourd'hui, j'ai mon oral d'anglais. La semaine dernière, j'ai fait espagnol et gestion la semaine dernière. Et là, cette semaine, je vais faire musique et anglais. Today, I'm going to present the notion space and exchanges or the notion idea of progress or the notion... I am in the shit. Me revoilà devant mon lycée. Donc étudions le signe de CM prime de X. Comme vous avez pu le voir ce matin, là j'avais 2 heures d'anglais. Oh, 2 heures de mathématiques. Là je suis partie à la boulangerie m'acheter un petit sachet comme ça. On a des petits sachets, genre ils coûtent 1,50€, dans lequel il y a plein de choses. Genre, il y a un chausson aux pommes, il y a un pot aux raisins, il y a... Enfin bref, il y a plein de choses quoi. Voilà, je suis hyper stressée, hyper de ouf en fait. Voilà, là j'ai l'impression que le lycée il a fermé ses portes. Oh, je suis foutue. Ok, genre là, on a 1 heure de perm et tout de suite après, genre j'ai mon oral, je suis hyper stressée. Du coup, je suis venue dans les toilettes et tout pour réviser un peu parce qu'il n'y a pas de place en permanence. Et le foyer il est fermé parce qu'ils font passer les oraux de français aux premières. Donc je vais réviser aux toilettes. Je vais me poser juste là et je vais travailler. Je ne vais pas pouvoir vous filmer quand je vais travailler tout simplement parce que mes notions elles sont sur mon téléphone. Donc je vais les relire sur mon téléphone en attendant l'heure. Normalement c'est censé être à mon tour mais genre il y a un décalage de fou. Il y a des gens, ils devaient passer à 10h40, ils sont encore là. Merci à eux. Moi je devais passer à 10h55. Je sais pas si vous arrivez à voir. Bref, en gros, je vais passer à 10h55 et là, je suis devant la salle en train de paniquer. Cette salle-là, on va se jouer mon bac. T'es prête ou pas? Bah oui, je suis prête. T'es prête? Yeah. T'es vraiment prête? Ok. Je suis la meuf et tout, mais en vrai, je suis archi stressée moi aussi là. Je sais pas comment ça va se passer. Je connais 2-3 notions. Enfin, je pense que genre la partie exposée, je vais la foirer. Mais genre la partie entretien, ça va bien se passer. Parce que moi, de toute façon, ça se passe toujours comme ça. Genre là, je viens de sortir de mon oral, je suis tombée sur la notion que je voulais pas. Genre, je suis tombée sur le gain de contrôle. Genre, c'était forme et lieu de pouvoir. Je voulais grave pas tomber sur ça. Mais franchement, je m'en suis bien sortie. Après, je sais pas quelle note tu vas avoir, mais pour moi, je m'en suis bien sortie. Du coup, là, je retourne en cours. J'ai encore cours de maths. Mais là, les doigts, je suis soulagée. Mais vraiment soulagée de ouf. Bon. Là, ma journée, elle se finit, enfin, genre ma matinée, elle se finit. Là, je vais aller, du coup, manger à la cantine. Je vais aller faire un débrief avec mes copines. Bah, de genre leurs oraux à elles, genre comment elles ont vécu et tout. Et nous, on se revoit très très bientôt pour une nouvelle vidéo.
c'est ultra nul. Ouais, je t'en Qu'est-ce que je voulais dire?